Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de me préparer. Aujourd'hui nous sommes dimanche. On va se rendre au marché. Je suis tranquille pour les repas, etc. Parce que pour ce midi on va prendre un poulet rôti au marché, comme tous les dimanches. Et c'est parti pour faire le plein de fruits, de légumes. Et on va passer au boucher aussi pour la viande. Donc voilà, je vous embarque dans cette petite journée. Ça va être une journée de chill. Parce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de me reposer un petit peu, on va dire. Même si je vous filme, ça va être chill. Voilà. Bon allez, let's go, c'est parti. Je vous reprends avec le téléphone, j'ai plus de batterie sur la caméra. Bon les amis, on vient d'arriver au marché. Je rigole parce que j'ai vu un monsieur avec un gros plateau d'œufs. Et j'ai dit à mon mari, tout le monde a pris des œufs. Il m'a dit tout le monde, il m'a dit il n'y a que un, calme-toi. Ah, je vous jure, les Marseillais, toujours on rajoute. Bref, c'est parti pour un petit tour. Là, on est venu un peu plus tôt. Il y a de tout ici. Pour les Chinois, pour les Asiatiques, pour les Africains, pour toutes les... Trop bien. Pourquoi ? Pour faire... Là, je regarde, c'est combien les œufs. Attendez. Donc ça fait 3,10€, s'il vous plaît. Merci. Tu vois, c'est mignon. Regarde, là, t'as le fromager juste là. Il est où? Ah ouais, le petit pigeon. Tu vas le courser toi à tous les coups, non? Un petit pigeon. Vous avez même des vêtements, les pyjamas du marché, franchement. C'est le best. Tu vois, là, c'est vraiment le truc de la ferme, ça se voit, tu vois. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais même, regarde la forme des fruits, ouais. Des légumes. Ouais. C'est tellement le gros. Immense, hein. Le chou, il fait 5 mètres. Regarde des huîtres. Ouais, mais par contre, ça. Papa, il y a des huîtres pour toi. Vous avez des olives. Il n'y a pas de glaçon. Dis pas ça. Pourquoi? Je sais pas, moi, c'est pas des huîtres sans glaçon. Tu vois, c'est pas frais. Tu vois, je sais pas comment. Il n'y a pas à dire. Promenade du jour, Cantal. Il est là, regarde il est là, les œufs aussi là. Il est là dans le marché. C'est du ouais, c'est ça. Bon, c'est parti pour le remplissage. Ouais, elle est bien, tu peux la prendre. Tu mets 3, c'est bien 3. Et on va prendre des citrons aussi. Ok. Ça c'est bon. Attends, on va en prendre plus parce qu'en ce moment papa il aime bien faire les citronnades. Puis qu'il a découvert les citronnades, il s'arrête plus lui. Mets-les là, laisse-les là. On va tout mettre là et on va prendre après. Ensuite, on va prendre de la menthe. Tiens, viens. Hop. Viens. Tiens, attention le chien, tiens. 50 centimes contre 1 euro à grands frais. Tu prends la menthe là et après on prendra un peu le persil. Tu regardes bien qu'elle est belle, hein. Vas-y. Ouais. T'aimes trop choisir toi, hein. Voilà, tu prends 3. Ouais, vas-y, je t'aide. Regarde là-bas, en dessous là. Regarde là, ceux-là, ils ont été moins touchés par les gens. Regarde en dessous. Voilà, tu sais, tu bouges un petit peu. Il faut oser au marché, Iliane, tu sais. Il faut y aller, tu vois, doucement. Mais regarde, tu vois, ce bouquet, il est bien là, par exemple. Tu peux sentir, tu peux goûter. Enfin, pas ça. Eh, ça sent bon. Tu vois, quand tu veux un fruit, tu peux demander à goûter aussi. Hein, t'as le droit. Hein. Genre, tu veux prendre un kilo de clémentine, tu dis qu'il t'en ouvre une. Tu goûtes un petit peu. C'est ça qui est bien au marché. Tu peux faire ça. Pas comme au magasin. Celui-là ? Vas-y.
Allez. C'est bien. On va prendre un peu le persil. Tiens, prends ce sac-là, là. Et tu mets deux petites bottes de persil dedans. Tu tires. Voilà. Allez, après on va aller rejoindre papa à la boulangerie. Voilà. Vas-y. Il est où le persil ? Ouais, c'est ça le persil. Tu veux sentir pour voir comment ça sent ? Ça sent rien. Ça sent rien ? Montre. Si, ça sent quand même, sent. Allez, prends-en deux. Regarde, tiens. Regarde comme il est beau celui-là. Voilà, allez, c'est bon. Non, c'est bon. Deux, c'est bien. Allez, viens. Ouais, c'est vrai. Dommage, on n'a pas pris mamie avec nous. T'as raison, Iliane. Regardez, on a pris les petits msemen, les petites briques, comme d'habitude. Soso, elle a eu un petit cadeau. Soso, il est où ton petit cadeau? Trop mignonne. Elle a eu une petite boisson qu'on lui a offert. Puis là, on va continuer. Écoutez, j'aime trop l'ambiance du Marseille. On va chercher le poulet rôti. Le pain, hey, le pain, on n'a pas dépassé la boulangerie. Bon, les amis, on a fini notre petit marché. On va aller à la boucherie, là, pour aller chercher la viande. Et je vous montre tout ça en rentrant. On va en profiter pour prendre la charcuterie aussi. C'est bon pour la viande. Go la maison. Donc on va manger notre petit poulet rôti. Petit rituel du dimanche. Et ensuite, je vous fais un petit retour de course. On est rentré du marché. Il est actuellement midi. On va manger notre petit poulet. Parce que tout le monde a faim. Et ensuite, je vous montrerai tout ce que j'ai pris et combien j'ai payé. Donc là il y a boucher, fruits, légumes, il y a des olives, il y a de la boulangerie aussi, pain, etc. Prix défiant toute concurrence comme d'habitude, vous connaissez. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying. Bon, les filles, je vais vite fait passer un coup de nettoyage parce que mon sol il est dans un état vraiment. Depuis qu'on mange ici, c'est catastrophique. C'est vraiment ce que je voulais pas. Mais vraiment, il y en a de partout. Voilà, dès que les enfants mangent, entre ça, les poils de chat, je vous raconte pas, et les allers-retours dans le jardin, le sol, il est dans un état catastrophique. Regardez, les enfants, ils ont joué dans le jardin, ils m'ont mis de la terre partout. Voilà, donc je dois venir nettoyer tout ça. Là, j'ai rangé tout le salon, il me reste que le sol à faire. Pour nettoyer le sol, je vais utiliser l'aspirateur laveur eLife W90. Donc c'est un aspirateur laveur 3 en 1 et il s'auto-nettoie tout seul, ce qui est top. Donc c'est parti pour le lavage du sol. Je vais mettre de l'eau dans le réservoir. Le réservoir, il fait 700 ml. Donc c'est parti. Le réservoir à eau usagée fait 500 ml, il a une aspiration assez puissante et il a aussi un guide, que ce soit vocal ou lumineux, pour vous dire à chaque fois vous indiquer soit le niveau de batterie, soit le niveau de saleté. Il passe au plus près des plaintes et des rebords, donc ça c'est vraiment bien pour nettoyer en profondeur. Et vous pouvez également y ajouter une petite solution qui n'est pas moussante pour plus d'efficacité. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre de description pour celles qui seraient intéressées d'avoir plus d'informations. Ici aussi, j'ai tout rangé. Je vais juste, j'ai laissé ma petite lingette pour nettoyer la table. Je vais faire le sol, mais voilà.
commence par nettoyer la table basse des enfants. Donc oui, cette table, c'est devenu la table des enfants. Voilà, ils en profitent jusqu'à ce que je la change ou que je l'enlève. Mais je me dis que ça sert à rien d'en racheter une, autant qu'ils ruinent celle-ci, qui est déjà ruinée. Voilà, donc je nettoie le bas aussi parce que c'est noir et que vraiment, avec les poils de chat et la poussière, c'est super compliqué sur le vert et le noir, enfin la matière en vert et tout ce qui est noir. Et ensuite, je viens passer un bon coup de serpillière d'aspirateur laveur dans tout le salon. Ici, vous avez l'indicateur lumineux pour la charge parce que je viens de le mettre en charge. Bon, je vous montre ce que j'ai récupéré. Là, je l'ai remis en charge. Donc, vous avez le filtre ici. Voilà, tout ça, c'est à rincer. Il a récupéré ce qui est solide. Et regardez l'eau entre la boue, le chat. Je vous raconte même pas. J'ai activé le mode auto-nettoyage, donc ça s'est nettoyé tout seul, la brosse est toute propre. Moi, ce que je fais, c'est que je l'enlève tout le temps et je la laisse sécher à l'air libre, ça évite les mauvaises odeurs et au moins, elle reste tout le temps nickel. Bon, les amis, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Donc, j'en ai eu pour 13€ et 15€ parce que j'ai fait deux stands. Donc, bref, j'en ai eu en tout cas pour les fruits et les légumes moins de 30€, comme la dernière fois. En sachant que j'ai pris des œufs, je vous dirai après. J'ai pris des olives qui sont à part, mais bon, ça m'a coûté 1,30€ et 1,40€, donc voilà, pas grand chose. Ici, c'est quoi? Attendez que je regarde. Ça, c'était pourquoi? Ah non, je vous ai dit 15 et 13€, mais j'en ai eu pour 10 et 13€. Parce que j'ai l'autre aussi, ticket de caisse. Ah ouais, j'en ai eu pour même pas 25€ de fruits et de légumes. Bref, et ici, j'ai pris des petits. Donc, j'en ai pris 3 paquets de petits et j'en ai pris 2 paquets de gros. Donc, les 3 paquets de petits, ils m'ont coûté 4€. Et les 2 paquets... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la différence du gabarit. Je vais les ouvrir. Je ne sais même pas comment ça s'ouvre. Hop, donc ceux-là c'est les petits, il me semble. Voilà, ils sont comme ça, elle les a tamponnés et tout, elle a même mis la date ici. Et attendez, il faut que je retrouve, parce que comme c'est toutes les mêmes boîtes, je vais essayer de voir. Non, ça c'est les petits, donc à mon avis c'est ceux-là les gros. Ouh là là, je vais faire une catastrophe moi, je le sens. Voilà, ça c'est les gros. Regardez la différence, je vais les mettre côte à côte. J'aime bien des fois en prendre des petits pour les pâtisseries et des gros. Regardez, vous voyez la différence? Celle-là c'est les gros, celle-là c'est les petits. Donc voilà, des œufs frais élevés en plein air d'une ferme ou je ne sais pas c'était quoi. C'est la première fois que je prends là-bas, mais voilà. Donc j'en ai eu 6 et 6, 12 gros. Et ici, on a 6 et 6, 12. Et là, il me semble qu'il y a une boîte, en fait, il en manquait un. Donc, elle m'en a mis un gros. Et les autres, c'est des petits. Donc, j'en ai en gros, j'en ai 13 gros. Et, attendez. Vous voyez comment ils sont tout petits, ceux-là? Donc, j'en ai 13 gros et 17 petits. Donc, franchement, là, il y a de quoi faire. Donc, ensuite, ici, je vous ai dit, c'est des olives vertes à l'ail et des olives vertes classiques sans noyau. Voilà, parce que j'en ai encore des noires en fait. Ici, j'ai pris deux lots de bananes comme ça, vertes. Et j'en ai aussi pris des comme ça, un peu plus mûres. Comme ça, parce que vu que ça mûrit vite. Voilà, ici j'ai pris des pommes vertes et des pommes rouges. Franchement, elles sont énormes. Regardez-moi ça. Vous avez vu ma main à côté? Est-ce que c'est...
franchement. Donc voilà, à chaque fois il y a 2 kilos. 2 kilos. Ici 2 kilos de clémentine. Ici des aubergines. J'ai pris des kiwis. J'ai pris des pommes. Des carottes, pardon, ici. Des carottes, un concombre. Ici c'est des kakis. 1 kilo de kakis. Donc 1 kilo, ça correspond à peu près à 6, je crois. 2, 4, 6, ouais, c'est ça. J'ai repris des citrons, parce qu'en ce moment, mon mari, il en utilise beaucoup. Ici, 2 avocats. J'ai repris des oignons rouges. J'ai repris des poivrons rouges et verts. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris de l'ail. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant le prendre là-bas. J'ai pris de la menthe, du persil. Quoi d'autre? C'est tout en fruits et en légumes. Il me semble que je vous ai tout montré. Ici on a du raisin aussi. Voilà. Donc celui-là par contre il était hyper cher, mais il est hyper sucré, il est très bon. Ensuite j'ai pris du milouis farci et des briques. Donc ça sera, on va dire, pour ça sera pour le goûter, pour le milouis avec un petit thé Milouis nature, soit avec du miel, soit avec de la vache qui rit. Et pour le soir, j'ai fait une quiche, mais on gardera avec les briques et les milouis. Les milouis farcis. Hop, je vais ouvrir pour vous montrer, ça sera mieux. Voilà. Je vais les garder au chaud. Et ici. Voilà. Franchement, ça donne trop envie, c'est encore bien chaud. Et là, c'est des petites briques, des petits cigares. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez le boucher. Là, je suis en train de remplir ma boîte de dattes. Obligatoire, les dattes, j'aime trop. J'ai pris aussi du piment doux parce que j'en avais plus du tout dans mes épices. Et à la boulangerie, voilà, on a pris des baguettes. D'ailleurs, franchement, cette boulangerie, c'est la meilleure que j'ai goûtée. En termes de pâtisserie et de pâtes. Bon, du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne sans les plastiques, comme d'habitude, pour que vous puissiez vous rendre compte des quantités. Et comme je vous ai dit, donc j'en ai eu pour moins de 30 euros les fruits et les légumes. On va dire à peu près 5 euros en ce qui concerne. Et encore, franchement, c'était 50 centimes la botte. J'en ai pris 3 de menthe et 2 de persil. Et avec les olives, on va dire allez, 4 euros et quelques. Les œufs, j'en ai eu pour à peu près 6 euros, en sachant qu'il y en a 30 et ils sont vraiment très très gros. Donc vraiment, c'est pas plus cher qu'au magasin en vrai de vrai. Et je vais vous montrer la viande, comme je vous ai dit, j'en ai eu pour à peu près 50 euros, on va dire, en ajoutant 20 euros de charcuterie et du poulet rôti. Voilà, mais ça c'est vraiment, on va dire, un plus. Donc c'est parti pour ranger tout ça. Ensuite, je vais vous déballer les sachets de viande que j'ai achetés à la boucherie. Bon, c'est bon, frigo rangé. Il me reste plus que les petits œufs du marché à ranger. Alors, je vous montre pour la viande. J'ai payé 66 euros, 67 on va dire, en sachant qu'il y a 12 euros pour le poulet rôti. Donc voilà, vous déduisez. Et en sachant aussi que j'ai pris beaucoup de charcuterie cette fois-ci parce qu'on a prévu de faire une raclette. Donc je vous montre tout ça, je vais déballer pour pas que ça vous fasse trop mal aux oreilles avec le plastique et je vous retrouve. Donc voilà, j'avais encore un petit peu de pilon de poulet et de viande hachée. Du coup j'ai pris ce que j'avais besoin pour, 10 jours à peu près. Puisque j'y suis allée déjà il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière je suis pas allée et j'ai encore de la viande pour vous dire. Donc là c'est de la dinde parce que je voulais faire une recette d'aiguillettes avec des aiguillettes de dinde. D'ailleurs il me les a coupées, il est trop gentil. J'ai pris de la charcuterie, donc ici aux olives, en dessous c'est la classique à la dinde. Voilà, du coup maintenant je prends directement chez le boucher, c'est bien mieux. J'ai pris plusieurs saucisses, donc ici c'est saucisse piquante, vous avez saucisse nature. Saucisse au fromage aussi. Voilà. J'essaye d'aller vite pour celles qui craignent la viande crue. J'ai pris de la viande hachée nature aussi. J'ai pris de l'escalope de poulet, parce que ça j'en prends tout le temps. Il y en a dans toutes mes recettes. Et c'est hyper rapide à cuisiner. Les enfants aiment bien. Ici c'est des merguez.
ici la viande hachée nature, comme je vous ai dit. Voilà. Et ici, on a normalement encore des saucisses de veau. Donc voilà. Et par contre, attendez que je regarde. Je pense qu'il m'a mis toute la charcuterie dans le même truc parce que... Ah oui, voilà. Ici, on a aux olives. Ici, on a au poivron. Ici, on a à la dinde. Et tout en bas, on a poulet nature. Donc voilà. J'en ai pris 4 pour les raclettes. Bon, go ranger tout ça. Je vous retrouve juste après. Je viens de me faire un deuxième café parce qu'il y en a vraiment besoin là. Bon les amis, je vais faire une petite recette de chouquette. Je vais vous montrer ce qu'il faut. 100 g d'eau, 100 g de lait. Une cuillère à soupe, c'est après pour la dorure. 2 pincées de sel, 1 sachet de sucre vanillé, 60 g de beurre demi-sel en morceaux, 120 g de farine, 4 œufs, 1 jaune d'œuf, ça sera pour la dorure aussi à la fin, et 3 cuillères à soupe de sucre en grain, vous savez les petites perles de sucre. Donc voilà, je vais mélanger le tout et je vous retrouve juste après. Bon voilà, j'ai débarrassé ma pâte. Je vous ai partagé sur Instagram toute la recette en détail. Je l'ai mise dans une poche à douille avec une douille ronde. Et là, je vais venir pocher le tout, une trentaine à peu près ici, sur mes plaques. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc c'est parti. Et ensuite, je vais faire la petite dorure et mettre les perles. J'avais jamais osé faire des chouquettes de moi-même, mais franchement, avec le Thermomix, ça facilite tellement de choses que je me permets de faire certaines recettes qui me prenaient pas mal de temps ou qui étaient difficiles en temps normal. Et ben je les fais beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus agréable avec le Thermomix. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup beaucoup plus de recettes en ce moment. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai mis des petites perles de sucre, j'ai doré avec un peu de lait. Normalement ils disent un jaune d'œuf et du lait, mais comme j'ai déjà mis 4 œufs dans la pâte, je voulais pas rajouter encore de l'œuf. Pour pas gaspiller le jaune. Et donc là j'ai mis les petites perles de sucre comme vous pouvez voir, et c'est parti pour une cuisson 20 minutes sans ouvrir le four surtout. Voilà ce que ça donne pour les chouquettes. Franchement elles sont trop bonnes, j'ai goûté, mais par contre ça va pas être assez pour le goûter parce que déjà moi j'arrête pas d'en manger, c'est la troisième. Du coup j'ai fait un petit gâteau comme ça, express à la vanille et aux pépites de chocolat que je vais enfourner tout de suite. Tout est prêt pour des enfants. J'ai fait un petit thé à la menthe, le petit cake yaourt avec pépites de chocolat vanille, les petites chouquettes. Là, si vous entendez le Thermomix, c'est parce que je suis en train de faire les pommes de terre pour ce soir à la vapeur pour la raclette. Comme ça sera fait, au moins j'aurai utilisé que mon Thermomix, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a rien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à démouler le gâteau et j'attends les enfants pour le goûter. J'avais filmé pour Instagram une petite story de la raclette, donc je vous laisse avec ces images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !